took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down on us heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Aujourd'hui, pas de problème de son, normalement. On va espérer. Tu feras jamais plus... Si, si, j'en ferai des live Fortnite, ne t'inquiète pas. Parce que là, je suis pas dans un mood Fortnite, mais on en refera. On en refera. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je live un peu plus tôt, ça a pas duré longtemps. Parce que j'ai des petites choses à faire ce soir. Donc voilà, petit live un peu plus tôt. Demain, a priori, blind test. Je resonderai les gens pour voir s'ils sont chauds. Et aujourd'hui, alors du coup, je me suis dit, on va faire un petit live un petit peu différent, un peu plus court, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et j'étais en train de retoucher des photos que j'ai prises il y a 7 mois à peu près. Bonsoir les Théo, c'est exactement ça. Bonsoir les Théo. Et voilà, j'étais en train de retoucher des photos d'il y a à peu près 7 mois. Et je me suis dit, bah attends, mais ça peut être l'occasion de refaire un petit live des familles. Alors pas Photoshop ce soir, mais Lightroom, qui est le cousin de Photoshop, on va dire, qui est là pour retoucher plutôt de la photo, mais vraiment de la retouche en termes de colorimétrie, en termes de construction de la couleur, etc. Et c'est surtout des fichiers, on va retoucher des fichiers photo d'appareil photo, des fichiers RAW on appelle. Voilà. Il a rendez-vous avec une meuf ce soir, une blonde, une sacrée déconneuse, à une fofolle. Une fofolle comme on n'a jamais vu. Pour une fois, c'est elle qui fera l'entertainment, ce sera pas moi, putain.
Du coup, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer déjà les photos que j'ai déjà fait en fait. Que j'ai déjà retravaillé hier et aujourd'hui. Si j'ai un rendez-vous avec une meuf ce soir. Bah, c'est nickel. Ouais. Les bons rendez-vous. Après, on est sept à avoir un rendez-vous avec cette blonde. Des histoires incroyables. Du coup, je vais vous montrer les photos que j'ai déjà fait. Ta 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 ta. Nickel. Attendez, on va se mettre une. Attendez voir. Dans 12 minutes, je vous laisse, je mets une pause, on va aller applaudir. Hein. Tout le monde applaudit dehors. Voyons. Un peu de respect. Ah oh, oui. C'est so jazzy. C'est so jazzy. Ambiance. Bienvenue sur le live graphisme en compagnie de moi. Petite ambiance jazzy qui fait plaisir. Ah putain, mais moi je kiffe. Ça me déconcentre en fait, tellement que ça me fait kiffer. C'est horrible, c'est pas fait pour ça normalement, mais bon, c'est parti. Je vais vous montrer les photos que j'ai déjà retouchées. Donc, c'est des photos que j'ai prises dans le quartier de la Confluence à Lyon, dans le sud de Lyon, dans le deuxième arrondissement. J'ai pris il y a 7 mois, donc l'été dernier en gros, septembre. Et des photos qu'on peut travailler de manière assez sympa. J'ai fait plusieurs. Je suis dans de petits tests en fait. Ah oui, un maximum de claps dans le chat, tout à fait. Moi, je crois que mes voisins ont prévu de la guitare, alors je vais aller clapper. Comme tous les jours. À 20h, ouais, un maximum de claps dans le chat à 20h, ça fait plaisir. Donc cette photo, alors qui est un peu floue, j'ai quand même essayé de la retravailler un peu parce que j'aimais bien l'espèce d'ambiance avec la sortie de l'autoroute qui arrive ici. Je vais vous montrer un petit peu la diff entre les deux. Attendez, on va plutôt le mettre comme ça. Vous voyez que j'ai un peu bleui le ciel pour un petit peu gommer. Je le fais souvent dans les photos, vous allez voir. Pour gommer la lumière de la ville qui est orange et qui est pas si belle que ça. Voilà, en ajoutant un petit voile par-dessus. Ce qui va faire ressortir un petit peu le côté bleu des feux de voiture. Plus que jaune, là, comme dans les années 90 dégueu. Et ça fait carrément ressortir la lumière du musée. Parce que ça, c'est les reflets du musée qui est derrière le musée des Confluences. Cool, mon cours commence. Mec, t'auras des cours privés, je te l'ai dit. Deuxième petite photo, pareil, on a bleu beaucoup plus le ciel, là ça lui donne un côté beaucoup plus futuriste. C'est exactement ce que je voulais en fait, cet aspect futuriste qu'on n'avait pas de ce côté-là. Mais je trouve qu'il marche bien à ce niveau-là. Hop là. Voilà, donc on a un petit comparatif assez sympa. Je la trouve beaucoup plus cool en bleu en fait. Voilà, tout simplement. Ici, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout la lumière jaune qu'il y a dans ce musée et qui est vraiment jaune comme ça hein, pour le coup. Là, elle est peut-être un. Ouais, elle tire un peu sur le vert, sur les reflets. Mais en vrai, elle est vraiment jaune comme ça. Ce que j'aimais pas beaucoup, j'ai donné beaucoup plus un aspect doré. Et j'en ai profité pour bleuir le fond avec les mêmes teintes bleues. Pour donner vraiment un côté bicolore. Mais qui fonctionne bien. Peut-être un peu trop fort, mais c'est assumé, donc c'est valide. Ce coin, c'est pas où il y a les sex workers de Lyon, exactement, c'est le quartier rouge de Lyon. Respecter un sex workers, putain, ils sont synchro en plus, hein. Ils sont synchro. Tout à fait, respect à vos sex workers. Oh. Tout à fait. Ensuite, on part sur celle-là. Pareil, je suis parti sur un aspect très bicolore, alors qu'on avait déjà de base, mais toujours avec ce jaune, j'aime pas ce putain de jaune, franchement. Pareil, on a un peu cuivré l'ensemble. Et sinon, on a conservé le blanc du pont en rehaussant un chouïa le turquoise. Et on arrive à quelque chose comme ça qui me plaît beaucoup. Alors, c'est peut-être un poil trop zoomé, mais ça donne l'idée. Je pense qu'on verra mieux en comme ça. Voilà, avant, après. La diff est pas énorme, mais je trouve que ça fait le taf, en fait, entre les deux. Voilà. C'est que mon point de vue. Hop, pardon. Tac. Put some respect in the chat. Putain, j'ai la voix de Bigali qui est venue quand t'as dit ça. Put some respect in the chat. Je sais pas pourquoi. Ici, pareil, on a dégagé le côté cuivré de la photo. Enfin, le côté cuivré, le côté jaune pour donner un côté cuivré. Je le trouve beaucoup plus équilibré. En fait,
cette couleur-là est beaucoup plus opposée au bleu. Je trouve que ça complète beaucoup plus que ça. À gauche, enfin, j'ai pas précisé, mais à gauche, à chaque fois, c'est la photo de base, hein, le avant. Je sais pas si on le voit. Ah non, on le voit pas sur l'écran. Avant ici, après à droite, évidemment. Évidemment, évidemment. Ici, on a fait un petit peu ce qu'on appelle de l'HDR, du High Dynamic Range. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est que le HDR. Tu vois, il dit, ah, mais c'est pareil, on est dans le même délire. On est à peu près dans le même délire. Pour expliquer ce que c'est que le HDR, en gros, vous allez fusionner plusieurs photos qui ont été prises avec des longueurs de... Ça y est, j'ai plus les mots. C'est chiant, hein. À chaque fois que je fais un tuto, je perds les mots. Je ne sais plus ce que je veux dire. Bref, en tout cas, avec des luminosités différentes. En soi, vous pouvez le corriger, ça. C'est surtout la luminosité qui est importante. Et vous allez empiler ces photos qui ont des luminosités différentes pour conserver, on va dire, la luminosité optimale sur chaque endroit de la photo. Ce qui fait que, alors là, j'ai enlevé les photos que j'avais fusionnées. J'avais une photo très sombre, une photo très claire, et une photo, on va dire, dans le médium. Au final, celle-là se rapproche du médium, mais récupère la force de la luminosité du pont, on va dire, dans l'espèce de reflet qu'on a autour de Halo, là. Des nuages aussi, qui ressortaient beaucoup plus sur la photo lumineuse, et on a des noirs quand même beaucoup plus profonds si on avait une photo, juste la photo claire ou la photo dans le médium. Ce qui est plutôt cool. Longueur d'exposition, tout à fait, merci, putain. Le mot à... Comme ça. Ça dépend à l'heure à laquelle finit le vernissage, tout à fait. Tout à fait, je vais me dépêcher. Du coup, voilà, on se retrouve avec une photo qui est beaucoup plus... qui fait beaucoup plus ressortir tous les éléments, je trouve. Alors là, il a du mal à me les mettre en... En synchro total, peut-être, parce qu'il faudrait que je fasse ça. Voilà, on voit que les éléments ressortent beaucoup plus. Et après, je l'ai retravaillé pareil en appliquant une espèce de petit effet bleu et en ressortant, en faisant un peu ressortir les couleurs. Voilà, voilà. La suivante, c'était le test sans le High Dynamic Range, je crois, ou avec. Non, celle-là, c'est sans et l'autre, c'est avec. Je sais plus, on est perdu. Petite photo du musée où j'ai appliqué le côté cuivré comme tout à l'heure. J'essaie de brouiller, hein. Celle-là, qui est dans la même veine que les autres, un peu plus de cuivré, un peu moins de jaune. Hop, voilà. L'élève dépasse le sensei de ouf. Tu m'as surpassé comme jamais. Là. Même aspect, où on perd le côté bleu foncé et le côté jaune pour arriver vers du cuivré et turquoise, que j'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup plus cet aspect-là, en fait. Je sais pas pourquoi. Ici, un petit peu le même esprit. Bon, là, on voit beaucoup moins le jaune parce que du coup, on est à l'intérieur et les spots bleus ont tendance à gommer un petit peu le côté jaune qui est là-haut. Mais la même idée, hein, on augmente le côté cuivré, ce qui donne un rose du coup. Une espèce d'aspect rose pastel, un petit peu stylé. Et un peu plus sombre aussi. Je trouvais que le bassin était un petit peu trop surexposé. Ce qui est un peu pénible. Celle-là qui est une de mes préférées. Même histoire. Cuivré, bleu, turquoise. On ne change pas une équipe qui... Voilà. J'ai rééclairci un petit peu l'escalier aussi, qui était un peu sombre. Vous pouvez voir qu'il était... On voyait moins les détails. Hop. On remonte tout ça et ça nous donne une photo assez sympathique. Voilà le... Attendez, je vais vous la montrer en entier, voilà. La photo dans son ensemble. Yes. Ensuite... Celle-là, pareil, qui a fait l'objet d'un petit HDR pour faire ressortir toute cette partie-là qui était beaucoup moins exposée que là-bas. Et le rendu est assez stylé. Moi, j'aime bien. Rien à voir, hein. On a rebleu le ciel. Là, le ciel était une espèce de gris-orange dégueu, là, que j'aime pas dans le ciel, franchement. Beaucoup plus d'exposition sur le bas de la photo. Et on a fait ressortir un petit peu les couleurs des arbres. Vous voyez que là, le vert, il ressort pas du tout. Alors qu'ici, il est beaucoup plus exposé. Très stylé, merci beaucoup. Très content de ces photos. Celle-là aussi, hein. Très content de celle-là. Ici, vous pouvez voir ma magnifique silhouette. Oh, bah oui. Pas du tout. J'ai dû courir comme un couillon pour arriver là. Avec les... J'ai un retardateur de 10 secondes. Le mec, il a couru, il a failli tomber à la flotte. C'était n'importe quoi. Bref. Le rendu qui est plutôt cool. J'aime beaucoup ce rendu.
un peu claire. Je la voyais peut-être moins violente au niveau de la luminosité, celle-là. Mais j'aimais bien faire ressortir ce petit halo à cet endroit-là, etc. Donc je me suis dit, bah, vas-y, on va monter la luminosité. J'ai réussi à dégager le grain qui était là, qui était pas, qui apportait rien à la photo. Autant des fois il apparaît dans, le, dans les anciennes en apportant quelque chose. Autant là, j'étais pas forcément convaincu de ce grain. Voilà, en le faisant diminuer un petit peu, on voit qu'il, qu'il est présent. Parce que tu peux pas complètement gommer un grain, sinon ça va ressembler à une aquarelle, le truc. On peut voir qu'il y a un début de ça sur les photos des lampadaires dans le fond. Après, on peut se rendre compte que c'est pas fou non plus sur la photo de base. Et surtout, c'est mon capteur hein, qui est... qui a quelques limites avec ces espèces de grandes, grandes variations de luminosité entre un ciel très sombre et des choses un poil trop surexposées. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus, évidemment. Je ne sais plus. Toujours le petit aspect bleu qui me plaît, c'est bien. La confluence, ça marche bien. Le bleu a tendance à rendre futuriste les photos, à donner un côté moderne. Je crois qu'on va aller applaudir. Je vais aller applaudir. Et bon, ça marche bien. Bref, je reviens. Des bisous. Je suis là dans 5 minutes. Je reviens. Allez applaudir vous aussi. Attends, c'est important. Ah, c'est important. Thank you.
c'est le retour. Bonsoir. Je suis là. Pardon, oui, c'est parti au gros concert, du coup. Le clapping de 20h commence à 58 et finit à 20h03 en général, donc... je suis de retour. Oh putain, il y a bien beaucoup de son. J'ai mon micro qui craque. Putain. Aïe aïe aïe, OBS fait n'importe quoi hein, ces derniers jours, c'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on est bien au niveau du son? Ouais, si ça le fait, allez. Hop, on est reparti. Let's go. Tac. Vous entendez le petit côté jazz derrière ou pas? Attendez, dites-moi tout. Je l'ai pas mis trop doucement. Tac. Ah, c'est pas fou, hein. On va le rehausser un peu. On va le rehausser un peu. Hop. Voilà. Super. On l'entend. Allez, on va continuer. Let's go. Bah, du coup, les suivantes. Celle-là, c'est très rapide. Pourquoi tu me le fiches pas en entier? Mais tu es complètement débile. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? T'es pas folle, la photo de base. J'ai réussi à rehausser le lampadaire. Et rajouter un côté cuivré. Qui fait le taf. Et du coup, les suivantes, je les ai pas encore retouchées. Pour vous expliquer, je vais faire un effet de HDR. On va le faire ensemble. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je l'ai fait une fois, mais c'était pas fou parce que je l'ai fait avec toutes ces photos-là. En plus de faire planter mon ordi, ça a pas rendu de manière incroyable l'effet. C'était pas fameux, quoi. Dans l'idée, on n'est pas parti d'un truc super dingue. À tout âge, j'en aime le jazz. Exactement. Ça balance, suivez la cadence. Ça swing. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un peu de HDR avec cette photo-là qui me paraît plus claire. On va juste enlever ça. Cette photo qui me paraît plus claire, celle-là un peu moins. Yes. Et une par ici. Vas-y, celle-là, elle me paraît sympa. Ah, celle-là, oui, elle a le tram en plus. C'est parfait. Avec ces trois-là, hop, on va faire une petite fusion de photos en HDR des familles. Avec la fenêtre qui est là, hop, elle me crée mon aperçu. Incroyable. Là, le logiciel empile les... Ah, on a toujours cet aspect chelou, là. Ça vient de la photo plus claire, ça. Alors, on va pas le faire comme ça. Les espèces de variations dans l'eau, il a un peu du mal. On va essayer... On va tenter quelque chose avec ces deux-là. Seulement. On va voir ce que ça donne. Oui, donc on va faire sa fusion HDR avec seulement les deux plus sombres. Les deux bressons. Les deux photos bressons. Tout à fait. Putain, ça applaudit comme jamais dehors. Ça a sorti des guitares électriques. Il y avait un mec avec la table de... La table rythmique. Le reflet nous emmerde énormément. Hein. Le reflet nous emmerde beaucoup. C'est bel et bien dommage. C'est bel et bien dommage. On va essayer de tricher. On va récupérer celle-là, du coup, au final. Qui a le même souci. Et on va faire autre chose. Bon, on va la retoucher, ça. On va retravailler celle-là, tant pis. Est-ce qu'on voit le... Ah, elle a quand même des... Elle est quand même fort étrange, dites-moi, hein. Je suis pas sûr que le HDR fasse vraiment le taf ici, du coup. Ah, il y a un décalage. C'est un décalage ou le pont est vraiment comme ça, attendez. Ah non, il y a vraiment... Non, le pont est vraiment comme ça, putain. Mais il est tout biscorné, ce putain de pont. Qu'est-ce que c'est que ce travail, là? Je trouve que le HDR rend mal sur celle-là, malheureusement. On le fera plus tard. On le fera plus tard. On va retoucher... Celle-là, on va la discard. Yes, retirer la photo. Hop. Celles qui sont plus sombres, pourquoi pas garder celle-là? Qui peut être intéressante à traiter. Les deux-là, on va les dégager. Hop. Et ici, on va garder celle avec le tramway. Est-ce qu'on en a une autre avec le tram, par hasard? Un autre tram qui passe dans l'autre sens, peut-être. Celle-là est floue. Ça fait 7 mois que je les ai pris, je me rappelle plus. Ah, ça peut être très sympa, ça.
peux tenter un HDR entre la 29 et la 18 peut-être, pour créer un effet sympathique, hein, tout simplement. Bienvenue sur Radio Jazz. Alors c'est marrant parce qu'il nous garde le côté rouge du bateau en bas. Il nous a pas gardé le tramway dessus. On va retravailler celle-là. Celle-là me paraît bien. Alors là, il est en train d'effectuer la petite tâche. Vous voyez le petit truc vert en bas là. Hop là, elle est créée, elle est ici même. Un poil plus clair, mais on va en faire quelque chose. Et les autres, on va les discard aussi. Allez, tout ça, ça dégage. On aime. Alors, ici même, j'ai envie de lui donner un... Regardez, là, on a une espèce de tonalité un peu verte qui est créée à cause du fleuve, des arbres au fond. On va essayer de créer une ambiance un petit peu différente, en supprimant un petit peu ce vert et en augmentant le magenta. Et pareil, on va gommer un peu de jaune et rajouter un peu de bleu, pas trop, là. Oh, pas trop. Créer une petite ambiance. Au niveau de l'exposition, on va pas la retoucher directement parce qu'on va tout de suite surex cette partie-là du pont. Donc on va pas la rehausser à ce niveau-là. On va surtout réaugmenter un petit peu les noirs pour créer un petit voile sympa. Et on va remonter surtout les ombres. Hop. Peut-être augmenter un chouïa le contraste. Du coup, là, on met tout à 40, c'est parfait. La clarté, ça donne un aspect un petit peu comme ça, c'est plus simple pour expliquer. Ça... comment dire? Ça fait ressortir les différentes textures, on va dire. Je m'exprime très mal. Comment il est-ce qu'il l'explique, lui, comment... ce que c'est que la clarté? Non, il le dit pas, putain. Je pense qu'ils auront des meilleures définitions que moi. Ça met en avant les contours, quoi, en gros. Ça fait ressortir un petit peu tout ce qui est grain et variation de lumière. On va la rehausser un tout petit peu. Pour faire un petit peu, pour contraster un petit peu tous les éléments qu'on a sur la barrière du pont à cet endroit-là, là. Toute cette partie-là et nos feuilles et notre petite disparité dans l'eau. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est une photo qui a quand même pas mal d'éléments. Entre les lignes là, les espèces de lignes qu'on a ici, ce qu'il y a à l'intérieur du pont, toutes les feuilles, le fleuve, je pense que ça mérite. Ça va un peu vite, désolé. Oui, j'ai pas précisé, je speed. En fait, je vous explique la démarche. Je pense qu'un jour, je ferai vraiment une vidéo tuto pour expliquer ce qu'est chaque bouton. Ça pourrait être cool. Là, je vous montre un petit peu plus la démarche, en fait, que j'utilise de mon côté. Au niveau de la vibrance, qui correspond un petit peu à la quantité de couleurs que tu as dans l'image. Voilà, si on la met à fond, vous allez comprendre tout à fait. Et ici, pareil. Ce noir et blanc ressort bien. Pour avoir un effet comme ça qui ressortirait pas mal, mais c'est pas l'idée que j'ai envie de donner. J'ai envie de créer un pont un peu. En soi, j'adore les photos qui sont aussi avec peu de couleurs comme ça. Ça ressort très très bien. Mais là, c'est pas vraiment l'idée que j'ai envie de donner. Tu me diras, elle me plaît beaucoup celle-là. Attendez. Ah si, on peut peut-être le tenter comme ça au final. On va augmenter un petit peu la saturation ici. Hop. Vous allez voir après ce qu'on va faire. On va baisser un chouïa les hautes lumières qui sont ici. Hop, voilà. Mais un tuto, oui, un tuto sera plus adapté à que là, où c'est vraiment pour montrer la démarche. Quoi. Alors regardez, on va descendre la saturation de tout ce qui est de tout ce qui correspond pas vraiment à notre côté bleu-vert qu'on veut faire sortir, et le petit rouge, on va le laisser le rouge ici, il est important. Ça évite, enfin ça montre qu'on n'a pas rajouté un filtre bleu par-dessus en fait. Un vulgaire filtre bleu tout bête. On va gommer la partie un peu marron qui est là-bas, je pense que c'est surtout du jaune. Ce n'est pas du tout du jaune, du orange. Ce n'est pas du orange. Qu'est-ce donc? Très bizarre. M'intrigue tout ça. Yes.
Yes, yes, yes. Est-ce qu'on n'irait pas enrichir un peu le bleu? Ouais, comme ça. On va pas y aller trop fort. Parce que sinon, on va vite tirer sur du rose et c'est pas l'idée qu'on veut. Hop. Je vais peut-être enlever un poil de saturation. Yes. En fait, tu me dirais, il est déjà très gris. Elle est déjà très grise, cette partie-là, en fait. C'est pas... Ouais, non, non, ça marche. Ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. C'est pour ça que j'avais pas enlevé de la saturation, parce qu'il y en a déjà plus, en fait. Est-ce qu'on est d'accord? Étais-je dans l'erreur ou pas? Ouais, moyennement, hein. Moyennement. Bon, c'est pas grave. Ici, on voit que le grain est pas énorme. On va quand même réduire un petit peu tout ça. Hop, vous pouvez voir que ça disparaît. Enfin, je sais pas si la compression YouTube fait que on voit la diff, mais il y a une diff. Moi, je la vois. Il y a une très petite diff. Hop. Oh, cette fin jazzy. Oh, elle est plaisir. Elle est très très plaisir, cette fin de jazzy. Oh, c'était beau. Et voilà. On a une petite retouche sympa. Alors, c'est des retouches rapides, hein. C'est pas le shooting de l'année, mais c'est pour donner un petit aspect sympathique aux photos que j'ai prises, en fait. Voilà, elles finiront sur mon Instagram, que je mettrai dans la description. Je préfère beaucoup plus cet aspect-là que le côté jaune-vert qu'on avait à gauche. Hein. Clairement, là, on a vraiment une ambiance qui est créée, que là... Pas vraiment, quoi. Pas vraiment, pas vraiment. Et du coup, on va récupérer l'autre photo qui était celle-là. Et c'est sur celle-là qu'on va appliquer les modifs que je voyais à la base, en fait. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire... Celle-là, on peut l'enlever aussi, hein, du coup. Ça ne nous intéresse plus. Hop. Hop là. Vous voyez qu'il ne nous en reste pas des masses après. Alors. Donc on a celle-là. Ici, on va créer une toute autre ambiance. C'est pas la même photo, mais c'est le même endroit exactement. On peut voir qu'il n'y a pas de différence. Hein. En fait, pour tout vous dire, j'attendais que le pont s'éteigne parce qu'il était. Il doit être quasiment minuit ou 1h du mat, je ne sais plus. Et est-ce qu'on a les infos là-bas? Je ne sais plus où sont les infos, les métadonnées. Je ne sais plus où sont les méta. Bon, je me rappelle. Ça doit être quelque part. Attends, mais si. Panneau. On n'a pas le panneau des métadonnées? Moi, je sais plus. Bon, tant pis. Mais cette photo a été... Attendez, je les ai dans Bridge. Je vais regarder sur Bridge. Bridge! Non. Yes, I. Ignoré. Hop. Alors, attendez, je vais me le mettre là, Bridge. Tac. Je vais me le mettre là. Ah, parce qu'en fait, je sais plus du tout où elles sont rangées. Elles être là-dedans. Tout à fait. D'abord, je les ai retrouvées. Hop là. Alors, cette photo, pour vous dire... Faudra d'abord que tu suives un tuto toi-même. Ah, mais c'est dur de trier les idées. Parce que moi, je vois où je vais, mais... C'est pour ça que un tuto... Je peux pas faire un tuto en live. Tuto, faut que je le prépare avant, quoi. Date de création, minuit 11, voilà, j'attendais en vain que ce pont s'éteigne. Vous avez toutes les infos ici. Vous voyez ici, minuit 6, date de création, le 7 septembre, tiens. Comme ça. Et le pont devait s'éteindre, et en fait, bah, il s'est jamais éteint, ce compte pont. Donc, bah, il s'est éteint un moment, mais on prenait plus de photos, en fait, donc c'était un peu bête. Parce qu'il s'est éteint à 1h du mat. Et on avait déjà pris d'autres photos dessus, plus loin. Voilà, et on a fini cette séance photo à minuit 45, voilà, donc c'était fou. Bref, il s'est pas éteint à minuit, j'étais un peu con, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a fait avec, donc on va créer une nouvelle ambiance là-dessus. On va baisser un peu l'exposition, pas trop. Hop, on va enlever un petit peu le vert. Là, on a un petit côté violet que j'aime beaucoup. Très très beau, au moins ça. Les hautes lumières, du coup, on les a déjà descendues. Hop. On va enlever un peu d'ombre.
Les noirs, on veut des noirs profonds sur celle-là. Oh, des noirs profonds. Hop. On va monter un chou. Il y a la clarté, pas trop. Est-ce que ça va se voir directement dans les arbres et autour, ça fait une espèce de contour. Ça crée un faux HDR, la clarté, en fait. Ce qui est assez dommage. Ici, on va augmenter la vibrance. Il va baisser un poil la saturation. Yes. C'est pas un peu dangereux si le pont s'éteint? Bah en fait le dessus du pont il s'éteint pas lui. Mais le... la partie là elle s'éteint ouais. Après tu dois avoir des lumières de sécurité sur le côté je pense pour que... pour les bateaux quand même. Je pense. Mais en gros ils éteignent l'arche et les loupiottes que t'as... Ah peut-être que les loupiottes sur les barrières les éteignent pas pour le coup tu me diras. L'arche elle s'éteint en tout cas ça c'est sûr. Mais oui. Ah non, bah si t'éteigne tout, laisse tomber. T'as un bateau sur deux qui finit dans le tablier du truc, là, c'est mort. C'est terminé. C'est les tons clairs qu'on va baisser. Là, vous voyez qu'on diminue un peu tout ça. Yes. Ah, c'est beau. Le vert ici me plaît, oui et non. Je vais tester. Je sais pas s'il me plaît vraiment ou pas. J'en ai aucune idée en fait. À vrai dire. Tu me diras qu'on pourrait peut-être lui appliquer un... Ah, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait pas ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Franchement... Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Plus sur du bleu. Ah non, on va lui donner un côté un peu plus bleuté. Allez, du coup, on tire tout de suite sur le violet, ouais, tu me diras. Regardez ça. On va rehausser le bleu comme ça. Là, voilà, on a beaucoup moins. Cette espèce de vert, je déteste ce jeu. J'adore ce son de gestion, on se croit au casino, mais tout à fait. Rien ne va plus, dites donc. Rien ne va plus. Yes. Attendez, je réponds juste à un chou petit message. Et je suis à vous directement. Petite réponse de message. Et voilà! Un maximum de lancer de dés demain d'ailleurs, on n'oublie pas. Enfin, private message, mais c'était plus rapide. Parfait. J'ai envie de rehausser un petit peu ce rouge aussi. Qui ressorte un peu plus. Regardez. On va le rendre beaucoup plus fort comme ça. Blé ! Maximum de rouge ! Yes ! Où en sommes-nous du grain? Fais-moi voir. Yes, à ce niveau-là. Ah, ça va, hein. C'est pas... Wesh! C'est pas si pire. On est pas mal. J'aime bien quand même qu'il y ait un petit grain sur les photos. Ça apporte un petit cachet. Donc je le laisse en général. En général, ça peut se tester ici aussi, dans le ciel, là. C'est là où il y a où le capteur a le plus de mal, en fait. Parfait. Bah, on est pas mal. Il fait pas des masses, ce petit... Ouais, je ne sais pas. Cette petite chose-là ne me plaît pas des masses. Crompons pas. Putain, je vais même à faire participer le chat sur un tel live. Cette petite partie-là. J'adore ces trucs. Putain, je pourrais jouer avec pendant des années. Alors, attends, reviens en arrière. On serait pas mieux comme ça ?
Hop. Voilà. Alors, pas la partie à droite, juste... Enfin, les éléments qu'il y avait en bas, là. Les éléments ici. Et je pense qu'on est pas mal, là, en regroupant comme ça. Hop. Regarde. Beaucoup mieux, là, non? Moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ici, on peut ajouter du grain, au passage. Du grain géré numériquement, on va dire, mais je suis pas jamais été trop fan de ça. Et ici, évidemment, c'est la vignette. Vous connaissez les vignettes? Ça, là, on est typiquement sur un aspect MySpace ou Skyblog. Mais j'aime pas trop utiliser le vignettage. Ou à peine comme ça, mais c'est déjà un peu too much. Je pense que là, on est pas mal. Et alors, regardez, on a littéralement deux ambiances différentes. Hein, entre celle-là. Celle-là qu'on pourrait recrouper aussi d'ailleurs. On va le faire. On va le faire. J'avais pas du tout vu tout à l'heure les. On va la recrouper tout de suite. On va la recrouper avec les mêmes réglages. On est parti sur du moins 6. Yes. Ok. Ok, ok, ok. Bref, on a deux ambiances différentes qui sont assez sympas. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Celle-là qui est beaucoup plus profonde dans les couleurs, tout en gardant un aspect bleuté. Et celle-là, à l'inverse, on a un peu diminué la couleur. Qui paraît un peu plus obscure, du coup. Mais qui a quand même son petit aspect. Ah, moi, j'aime bien. Celle-là, je suis fan, moi. Je préfère celle-là. Bon, c'était que mon point de vue. Alors celle-là on l'enlève, elle est foirée, hop, retirée. À moins que... Ouais non mais ça va, le rendu va être atroce. On peut tenter un HDR sur celle-là mais ça va pas être fou je pense. Hein. Tentons. L'écart est un petit peu trop... comment dire trop contrasté si vous voulez. La plus dark est cool, ouais. Bah, on assume un peu plus l'ambiance qu'on crée quoi. Ça m'intrigue. Le rendu m'a pas l'air déconnant. Il manquait une photo médium en fait là-dessus que j'ai pas fait. Dans les tons médium. Celle-là est trop surexposée. Et celle-là est un peu trop sombre quoi. Alors du coup la combinaison des deux. Typiquement là on voit pas les arbres dans le fond. En soi on peut les retrouver les arbres. Hein. On sait qu'ils sont là, hein, mais bon. C'est pas déconnant comme rendu. Après la photo apporte rien de particulier mais bon, on peut tenter de faire quelque chose de ça. On va dégager les deux. Les deux sont pas folles. Le HDR des deux est pas trop mal pour le coup. Hop. Yes I. Alors j'en avais 120, à la base il reste 37 hein. Le tri est quelque chose de très important. Ambiance, comment dire, c'est une photo qui, enfin pour moi, ce que j'appelle une ambiance, on va dire c'est un parti pris artistique, c'est pas une photo qui va être neutre comme tu peux en trouver dans la presse ou dans des photos par exemple, dans des guides de voyage, je sais pas, des encyclopédies, quelque chose d'informatif quoi, t'as vraiment un parti pris sur l'aspect artistique que tu veux donner, ça typiquement t'auras presque jamais une photo comme ça dans la presse quoi. Sauf si c'est pour parler de la fête des lumières ou je sais pas, le 14 juillet ou je sais pas quoi, t'auras très peu de photos comme ça. Celle-là un peu plus. C'est pour ça que moi je dis que celle-là a une plus forte ambiance, c'est-à-dire qu'elle a un plus grand intérêt artistique. C'est-à-dire là je pose vraiment mon point de vue. Genre, moi je la vois. Dans tel élément. On n'a pas l'intention de rendre la réalité, on a l'intention de vraiment... comment dire, comme si ta photo était une espèce de scène de théâtre. Tout ce qui se passe dessus, bah, c'est un petit peu une représentation de la réalité, mais tout a été mis en scène. Quoi. Parce que le metteur en scène a imposé sa vision artistique
de ce qui se passe. Metteur en scène, personne qui écrit, les artistes et tout. Là, ça, beaucoup plus de gens dessus. Mais là, je suis le seul à prendre la photo, donc forcément, il n'y a que mon point de vue à moi qui rentre en jeu. Cependant, pas parce que je suis tout seul que j'ai pas le droit de le faire. Non, mais dites donc. Quelque chose de plus idéalisé que concret. C'est ça, tout à fait. C'est, en fait, c'est plus ma vision de la photo, donc comment je veux qu'elle rentre, plutôt que le réalisme. Pour le coup, dans la réalité, c'était quand même beaucoup plus comme ça. Avec peut-être un chouïa moins de... Bah ça, vous l'avez vu, on l'a changé, mais le fleuve n'était pas bleu comme ça, hein, évidemment. C'était une espèce de bouillie vert, grise, marron, dégueu. Mais là, on est déjà plus proche de la réalité, là. Là, pas du tout. Hein. Le jour où t'as ça dans la réalité, c'est que t'as un problème au mirette. Hein. Ah là, t'as les yeux qui se barrent. Qui... Voilà. Mais y compris. Hein. Je suis pas content. Putain. Ça me pèse beaucoup quand même. Ah bon, voilà. Du coup, vous avez mon point de vue. J'ai mis le rouge au fond de l'eau. Ici, bah en fait, c'est un bateau qui est passé. Vu que j'étais en longue expo sur 30 secondes, bah, le bateau, il a largement eu le temps de traverser l'écran. Enfin, l'écran, le cadre. Et on se retrouve avec un petit aspect comme ça. Ce que j'ai fait un petit peu sur les photos qu'il y a au niveau de l'autoroute, là, de la 6, de la 7. La 6, à ce niveau-là, on va éviter quand même. C'est un peu le bordel. Tu vas à Paris dans cette direction-là, c'est mort. Hein. Qui crée une espèce de... J'adore ces photos, moi, avec des longues expos. Pareil avec le bateau, ici. Là, il y a un bateau et il crée son petit pesant de cacahuètes, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Revenons à celle-là. Je suis pas fan de celle-là. Je suis vraiment pas fan de celle-là. Je trouve qu'il y a rien de... Il y a rien. Il n'y a pas d'éléments mis en avant, en fait. Je trouve. Bon, bah on va la dégager. Je suis pas fan. Elle apporte rien. Tu sais, en photo, faut toujours que t'aies une espèce de comment dire, d'acteur de ta photo. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être un papillon, ça peut être une montagne dans le fond, ça peut être plein de choses. Là, tu sais pas en fait ce qui est. Si j'ai voulu mettre en avant le lampadaire, si c'est les arches, la perspective est bizarre. Ouais, non, ça dégage. Ça dégage. Je vais mettre la lumière, je vais plus avoir de yeux. On pourrait pas faire ressortir grand chose, c'est exactement le problème que j'ai. Par contre, celle-là, au contraire, je l'adore. Parce qu'elle est très géométrique. De toute façon, avec ce musée, enfin, moi j'adore ce musée en termes de design, je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde. Je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, mais UFA Mafia, putain. On dirait une intro que t'as à chaque fois, c'est comme ça. Le pire, quoi, putain. UFA Mafia, ouais. Tout à fait. Ouais, celle-là qui est beaucoup plus géométrique. Du coup, on va essayer de rééquilibrer cette partie-là et l'arrière. Parfait, je l'ai. Ça va être incroyable. Je pense que le HDR va fonctionner sur ces deux-là. J'espère. Mais il n'y a pas de... Ouais, non, ça devrait marcher. Non, ça devrait marcher. Putain, le fusionner des photos, j'arriverai jamais à me faire qu'il est là. Comme je le vois en bas, à chaque fois, Après, je sais qu'il y a des photographes qui sont hyper fans d'urbanisme, d'architecture. Ouais, mais je trouve que la perspective que j'ai utilisée est pas dingue. Elle est pas folle, quoi. Je trouve. Alors là, le seul truc qui est dommage, c'est ces parties-là que je pourrais pas enlever, quoi. Non, bah on va pas le faire en HDR. On va dégager. Il va me faire sortir des trucs. Est-ce qu'il va me les faire ressortir ici ou pas? Question que je me pose. Ah, il les fait ressortir aussi, tu me diras. Ouais, bah alors tant pis, on va utiliser le HDR. Peut-être. Non, mais on va se démerder. C'est lyonnais, c'est forcément bon, tout à fait. Ah, ouais, non, mais la perspective est pourrie, je sais pas. De toute façon, après, quand tu prends des photos, tu te dis, bah, je me fais une sortie photo. Des fois, tu as des idées sur le moment, et puis après, tu te dis, merde, pourquoi j'ai fait ça? Savez-vous que j'ai un bac spécialisé architecture? Putain, mais le mec! Trop fort. Trop fort, trop fort. J'ai gardé la HDR et j'ai pas gardé l'autre. Quel dommage. Mieux? La voilà. On va utiliser celle-là. Ce sera plus simple. Celle-là, on va la dégager. Hop. Je
pensais que ça allait mieux sortir, mais j'avais pas vu les traces. Alors celle-là, on verra après. Yes, alors, ce qu'on va faire, on va réaugmenter les ombres pour que le buzzer sorte un petit peu, pas trop. J'ai pas forcément envie qu'on voit les... Ouais, ça sera ça, ça le fera comme ça. Architecture métallerie paysage, mais putain, putain. Le mec, il a... Il a 14 bacs spécialisés, c'est fou. C'est pour ça qu'hier on lui a donné le contrôle du champ. Mec, d'ailleurs, on a déménagé. On a rien déménagé encore, on a trouvé un spot. Mec, tu vas pouvoir faire des champs. Mais alors, il y a toute une colline pour faire des espèces de cascades et tout. Tu vas faire grave plaisir. Ça va être fou. Ça va être fou. Je m'occuperai de la construction du village, moi. Et des usines. Hop. Et on va abaisser peut-être l'avant du pont. Ah merde, non, c'est les noirs. Oula, le mec est aveugle. Le mec est aveugle, c'est les hautes lumières que je veux baisser. Voilà. On rééquilibre un peu tout. Ici, on va augmenter un chouïa la clarté. Vous avez vu que ça fait carrément ressortir, du coup, les contours. Mais vu que là, on a beaucoup de détails, ça les fait beaucoup plus ressortir que les zones avec des aplats de couleurs dans le fond. C'est très plaisant. Yes. Créer un côté plus comme ça, ça augmente un peu le blanc, je trouve. C'est pas dégueulasse. Si on fait une vraie balance des blancs auto, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, d'accord. Plus d'avis de la flemme de faire remonter ça comme ça. Putain, je ferai passer tous mes avis, tu t'occuperas de tout le paysage, tu seras bien payé. C'était une musulerie effratée, c'est pour ça que les gens m'applaudissent tous les soirs. C'est le bleu, on va le rehausser individuellement là. Regardez ça. On va augmenter le bleu. Très important ici. Cette musique est folle. Et peut-être un chouïa trop foncé. C'est la luminance que je voulais. Merci. Là. Et qu'on peut rehausser ce qu'on appelle la luminance. Donc on va dire c'est. La luminance, c'est dans l'esprit des gens, c'est la luminosité. Mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est sa clarté dans son spectre de couleurs. Entre un bleu foncé et un bleu clair, quoi, dans l'idée. Et là, on a un bleu qui est très foncé, c'est même plus qu'un bleu EDF, là. Et là, on a un bleu très clair, grisonnant, parce qu'il perd un peu en saturation quand tu éclaircis. Il gagne en saturation quand tu assombris et il en perd quand tu éclaircis. Donc pour pas qu'il soit trop bleu, on va faire comme ça. Tu devrais moins assombrir l'arrière, ça met moins la forme en valeur. Bah en fait, je voulais plus faire ressortir cette partie-là du musée plutôt que le fond, en fait. Que cette forme-là. Que ce soit comme la continuité de des barrières ici. Donc ça crée vraiment un aspect ici. Après, en soi... Effectivement, on peut se débrouiller pour faire ressortir le tour du musée, mais je trouve que c'est pas, je sais pas. On peut faire un entre-deux, tu me diras. Qu'on voit au moins cette forme ici, là, juste là. Au moins mettre les lignes fortes. Ouais. On va peut-être faire ça. Regardez. Je suis votre avis. Ce sera votre photo. Hop. Après, je peux pas non plus les faire ressortir énormément. Hein, parce que c'était très sombre, cette partie-là. D'ailleurs, on va commencer par... Hop. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Yes. On va rehausser les noirs un peu.
Hop. Voilà. C'est pas moi qui cherche le travail, il y a la magouille. C'est eux qui viennent à moi. Oui, cette forme est un vrai atout du bâtiment, ouais. Mais le truc, c'est... je sais pas. Cette partie-là, je l'aime pas du tout, en fait, sur ce bâtiment. Elle est très belle quand tu la prends de l'autre côté, quand tu l'as en entier. Mais vu qu'il est coupé en deux... En fait, c'est... Enfin, je vais les montrer avec ma main. Ces lignes-là, ouais, apportent un truc. Celle-là, un peu moins, je sais pas. C'est... mon avis, moi, on va y arriver. J'ai pas envie de l'accroper, pour le coup. Je pense que ça fait le taf. Et en termes de lumière, ces lampadaires là m'exaspèrent. On va retravailler ces lampadaires ici. Hop, voilà, on va commencer comme ça. Yes. On va leur apporter une couleur tout autre. C'est un peu orange là quand même, non? Là. Beaucoup moins de vert. Moi je suis réglo. Tu seras d'accord. Le pire. Là. Ici. Ouais. Oublie-moi, fils. Viens. Fils ou fisque ? Fils. Alors. On est pas mal, là. On est pas mal. Ouais. Est-ce qu'il a repéré qu'il y avait une tache ou pas ? Ouais, non, ça fait pas l'effet que je veux. Ça, c'est plus le genre d'effet que je gère avec Photoshop, pour le coup, après. On est pas mal sur cette photo. I hear shit in my oreillette. Pire truc. Celle-là, on est pas mal. J'aime bien. J'aime bien le rendu final. Ici. Oh, ça mérite de le tenter, là. Oh, ça mérite de le tenter. Bon, on va déjaunir la photo. Elle est ultra jaune. Je me rappelle avoir fait ces réglages-là en plus volontairement sur le moment, mais. Pas convaincu, hein, au final, de ce que j'ai tenté de faire ici. Il y a encore. C'est ouf! Que la lumière ressorte autant à l'extérieur alors qu'il fait quasiment nuit. Incroyable. Là, on peut voir mes voisins. N'importe quoi. Coucou Aurore, comment vas-tu? Compare les deux versions du musée? Ouais, tout à fait. Je fais ça tout de suite, quand il a fini de faire ma fusion. Parfait. Parfait, parfait. Hop. Donc on a fait un peu plus ressortir les... Là on le voit clairement. Hein. Les formes, comme vous l'avez demandé dans le chat. Sur le pont, on n'a rien changé, c'est ce que je voulais. Il est peut-être un chouïa plus cuivré comme j'aime, donc c'est parfait. C'est ce qui était prévu quand on a augmenté le rose, en fait, dans les teintes. Et ici, on passe d'une espèce de... Bah, c'est le même... En fait, c'est le même aspect que j'ai voulu avoir dans les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Perdre le côté jaune pour avoir un côté plus cuivré rose. Un bleu un peu plus prononcé, on voit la différence entre les deux. Et je pense que le rendu est pas mal, hein. Hop. Je pense que le rendu est pas mal, surtout sur les lampadaires. Attendez, voir faire les lampadaires. La diff est monstrueuse, mais j'aimais plus ces lampadaires. Me plaisait pas là, ces lampadaires verts, là, c'est leur espèce de lumière tungstène chelou là. Ça me plaît pas ça. Ça ne me plaît pas, voilà la photo finale du coup. C'est pas le point le plus important. Non, bah non, évidemment. Ouais.
Non, c'est pour ça, avec le pont, je voulais pas le toucher. Je pense qu'il était important d'avoir sa luminosité comme ça par les formes. Mais c'est surtout le musée derrière qui a l'air pareil. J'ai bien mangé, bah nickel. Les voisins, ils sont tous nus, les voisins, tout à fait. Tout à fait. Je regarderai le début en rediff car ça m'intéresse. Bravo, merci. Alors du coup, là, on était parti sur cette photo-là qu'on a fusionné en HDR avec elle pour créer... Ah bah ce côté-là qui est plutôt dégueulasse, j'avais pas vu, on va pas du tout faire ça. Non, dégage. Non, non, t'es moche. Ah non, non, c'est pas bien. On va garder celle-là. Hop. Bon, ça, c'est l'arrière du tram, ça, c'est l'avant. On va retoucher les deux en même temps, vous allez voir. On va copier les rendus. Je vais laisser, je vais aller manger. À toute peut-être et bon travail, merci. Et peut-être à tout à l'heure dans... Hein? Alors? Ça se croise dans le chat, c'est beau. Alors ici, trop jaune. On va voir qu'est-ce qu'il propose. Ouais, ok. Moi, je la veux un peu plus bleue. Voilà, on va créer une ambiance un petit peu... électronique, on va dire. C'est bizarre de dire ça, mais... Hop. Déjà, on va commencer comme ça. See you, tout à fait. See you demain, hein. Au maximum. On va augmenter le contraste. On va créer un côté un peu futuriste sur celle-là. Un petit peu... futuriste angoissant. On va augmenter les blancs, qui sont pour moi trop faibles. Seul côté surex sera ici, hein, au passage. On va abaisser les noirs. Ouais, parce que on va créer cette ambiance un petit peu particulière. C'est l'opposé de l'ambiance qu'on a créée... je ne sais plus où, au début. Voilà, là, on est plus sur une ambiance classique. Photo nocturne de base. Là, on va créer un truc un peu plus... plus angoissant. Bon, le plus important, c'est du 1er mai, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a des ponts cette année ou pas? De toute façon, vu l'état de tout le monde, c'est un peu plus compliqué pour l'histoire de ponts. Malheureusement. Mais c'est pas du tout ça que je voulais bouger. Hop. Yes. Ça fait très futuriste pour confiner, c'est ça. Ouais, clairement, là, je vais donner un côté futuriste à cette espèce de traînée de tramway, là. On va augmenter un chouïa la vibrance pour faire ressortir le bleu qui est là, qu'en manque. Baisser un poil la saturation pour perdre un petit peu au niveau du rouge. Yes, parfait. Ici même! Hop. Hop. Là. Ça fait un mois le pont. Genre cette petite musique de salon Aristo. Alors tout à l'heure on m'a dit un casino, tu vois. Mais il y a aussi le côté salon Aristo. Bonsoir. Préférez-vous du vin? Champagne? Tout à fait. Là on est dedans. On va rehausser ce bleu là. Moi je veux encore un maximum de bleu à la place du turquoise. Voilà. Yes. Ça devient un poil trop violet ici. On va le laisser comme ça, c'est pas mal. Un martini avec une olive. J'ai pissé par-dessus ce pont, je l'ai vu s'installer aussi. Je l'ai vu s'installer aussi, ouais. Le pont Raymond Barre à Lyon. Très, très connu. Très connu, très connu. Enfin, très connu, non. Au final, c'est un des ponts le moins utilisé, mais... C'est à l'extrémité. C'est très jazzy comme ambiance. Yes, on va s'occuper du grain. Ouais, il y a un peu trop de grain. Hop. Yes, on a enlevé pile ce qu'il fallait. On va juste rehausser un peu. Yep. Et diminuer un peu. Ouais, on voit. À cet endroit-là, on avait une petite, des petits soucis chromatiques. Parfait. J'aime bien cette photo. J'étais encore à Lyon. Jamais utilisé. Ouais, maintenant, il y a quand même beaucoup plus de monde qui l'utilise. Hein. Il y a plus de lignes de tram qui passent. Et ils vont bientôt en installer entre celui-là et le pont qui est à Perrache. J'ai oublié son nom, ouais. Du coup, il va être beaucoup plus utilisé parce qu'ils sont en train de recréer tout le quartier qui est en face, donc forcément,
il sera beaucoup plus utilisé. Voilà la diff entre les deux photos. Je pense que c'est la diff la plus importante de toutes les photos qu'on a fait. On n'a pas trop touché le rouge, évidemment. Mais on lui a quand même donné ce côté qui se mêle bien avec l'espèce de violet qu'on a ici, qui crée. Alors là, on a une grosse différence entre les deux. Hein. La diff est assez importante. Et je préfère beaucoup plus cette ambiance-là. Je sais pas vous, mais... Ça me plaît beaucoup plus. Olive verte ou noire? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cet aspect-là, ici. Parce que globalement, c'est les mêmes réglages. Hop. Boum! Oh, et le petit gold, ici, il est incroyable. Incroyable. Grave, j'adore. Hey, hey! Franchement, le rendu est très propre. Et j'ai envie de tester de l'appliquer ici, parce qu'on a exactement le même problème de vert et jaune. On va voir. Ici, je l'avais moins jauni. On va tester sur celle-là ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Si on abaisse les aspects colorés, on peut même essayer. Attendez, j'ai envie de tester un truc. Ça va être fou. Ça va être fou, ça va être fou. Hop. Olive fourrée au piment. Ma olive noire. Noir-verte, cure-dent, boute. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête, définitivement. Quelle folie! Quelle dinguerie! Ça fait moins cire du coup là. Ouais, c'est un peu la kermesse quoi. C'est pareil, cire, kermesse. Incroyable cette photo. Qu'est-ce que j'ai voulu prendre en photo ici? Je ne sais pas. Rien du tout, d'accord. Eh ben ça dégage, hein. Yes! Oulala, il y a de la retouche à faire. On va pouvoir mélanger les trucs, je pense, ici. À se faire plaisir sur celle-là. J'aime bien ce côté-là, violet. On va corriger. Mais on est sur une bonne base, là. On est sur une bonne base. Part de ça, quand même. Hein. Regardez ce qu'on va faire. On va baisser un petit peu les hautes lumières. Un peu plus. On va baisser beaucoup les ombres. Yes. On va utiliser un petit peu la courbe, ça va faire plaisir. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Hop. J'essaie de rééquilibrer l'ensemble en fait. Yep. C'est toi qui as pris les boutons pour jouer sur la transparence de l'eau et les reflets. Alors, on pourrait jouer sur les reflets, le problème, c'est qu'on pourra pas le faire avec Lightroom, faudra le faire avec Photoshop, ça. Pour créer vraiment un reflet, un énorme reflet sur le pont. Après, là, il va être un petit peu dérangé, le reflet, dans le sens où on voit que l'eau, elle bouge, il y a une longue expo. Mais on pourrait tenter ça sur Photoshop. Sur Lightroom, c'est chiant de le faire. Bah, c'est chiant, c'est même pas possible, en fait, en soi. Je le fais toujours avec Photoshop, moi, alors je sais que... C'est vrai que j'y ai jamais pensé. T'es pas sur PS, je suis sur Photoshop Lightroom. Attention. Donc sur le cousin de Photoshop. C'est le roi, il n'y a pas de transparence. En ce moment, le roi est grave transparent. Tu vois le fond en ce moment, tu vois les vélos dans le fond et tout. Tellement il est clair. Incroyable. Mais bon, là c'était pas le cas. Là. Et c'est des photos que j'ai prises, ouais. C'est des photos que j'ai prises. Tout à fait, tout à fait. Son cœur n'avait pas un petit côté... violet comme ça. On va intensifier le bleu quand même. Rééclaircir cette partie là, c'est parfait. Ah, attendez. Ah, on va pas aller plus loin que 3100 Kelvin, hein. Ça va être too much après. Yes. Ah, c'est même trop. Non, en fait, ça me plaît pas. Là, c'est mieux. Du coup, t'as fait comment pour les lumières en mouvement? J'ai fait alors. On va voir mes cadavres. Le pire. Pour les lumières en mouvement, j'ai augmenté la longueur d'exposition de mon capteur. C'est-à-dire que pendant
30 secondes, je crois que c'était ça. 20 ou 30 secondes, je sais plus ce que j'avais réglé à ce moment-là. Bah attends, on va regarder tout de suite. Attendez, je vous décale ça. Hop. Tatata, c'était la photo du tram. Papapa. Là, donc là, on a toutes les... Comment dire, toutes les infos, en fait, de réglage de mon capteur au moment où j'ai pris la photo. Et, yes, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 30 secondes. Cale de 18, ouverture 3-7. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est marrant parce qu'on peut vraiment éditer toutes les métadonnées. Hein. Incroyable. Minuit 20, j'ai pris la photo. Ce moment-là. Attends, il reste un moment d'heure. Hein. Putain, je suis en train de penser à... C'est assez ouf. C'est assez ouf. Tu mets toutes tes créations dans les métadonnées. C'est toutes tes créations, toutes tes informations dans les métadonnées. C'est très pratique. Bon, on va pas le faire là parce que ça finira sur Insta. Donc Insta garde pas forcément les... Ah, je sais pas si ils doivent les garder les métadonnées en vrai. Ils doivent les garder. Sûrement. Vous avez vu qu'il y a même un truc pour remplir le médecin traitant. Incroyable. J'adore ce logiciel. J'adore ce logiciel. Du coup, voilà, ouais. Donc c'était bien 30 secondes. C'était bien 30 secondes d'expo. Là où typiquement... Ah ouais. Non, c'était 30 secondes partout. J'ai kiffé le 30 secondes ce soir-là. Hop. Du coup, t'as fait comment? Oui, non, c'est bon. J'ai répondu à cette question. Maximum de bleu. On va peut-être au final, je me dis. Atténuer. Atténuer sa force à ce niveau-là. Ouais, je pense que c'est plus sympa. Bonsoir ma très chère Claire, comment vas-tu? Comment vas-tu? En termes de grain, on va peut-être le diminuer. Un petit peu trop fort là. C'est pas fou, hein, c'est pas fou. Ça va, ça nous donne pas un côté aquarelle. Ça, franchement, ça va. Et le ciel est un peu plus sympathique. Jolie photo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ces deux-là, qui ont été prises exactement au même endroit, je vais pas pouvoir m'empêcher. Bon, celle-là, elle est ratée. Honteusement. Yes. On va pas garder la voiture qui apporte rien là où elle est placée. Hop. Moi, la musique du restaurant classe. Alors, on a le restaurant à Christo, on a le casino et on a le restaurant classe maintenant. Un maximum de plaisir. Yes, on va garder celle-là qui me plaît plus. Celle-là est un peu floue. Hop. Je suis en train de vérifier mes photos au passage. Et pareil ici, celle-là, on va la dégager. Hop. Alors ici, on va créer une fusion. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais ça risque d'être très coloré. Fusion de photos HDR, let's go. High dynamic range HDR. Sa carte de contraste, ah, c'est pas fou ici, hein. Malheureusement. Ça le perd un peu, cet endroit-là. Dommage. On va essayer de retoucher celle-là pour commencer. On va diminuer le voile. Ouais. On est dans deux ambiances. On va tester tout ça. Alors. Allez, on va corriger un peu le voile comme ça. On va augmenter la tempérure. C'est un chouïa trop rouge. Yes. Coloré et jovial, tout à fait. C'est dans le 8ème, c'est de l'autre côté, c'est vers l'Altony Garnier, ça. Pour ceux qui connaissent Lyon. Hop. Augmenter la clarté, mais vraiment pas trop. On pourrait donner un côté flou comme ça, mais...
Hop. Ça crée vraiment des rayons de lumière particuliers. On est peut-être. Ça, ouais. J'ai pas envie non plus que ça. Ça, on va quand même l'assombrir. C'est tiré d'une chanson de Diams. Ah putain. Ah, mais là, t'as les. Trop de metagame. Tu m'as perdu. Le metagame est présent. Sacré Diams. Sacré Diams. J'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. Et voir un petit avant-après, hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On est pas mal, ouais. Continuez. Hop. Alors, je suis très curieux du grain. Ouais, effectivement. Effectivement, un peu trop de grain. Hop, on va augmenter la luminance. Yes! L'ambiance est créée, hein, là, pas de doute. Pas de doute, l'ambiance est bel et bien là. Pour moi, on a peut-être mis un peu trop de contraste. Yep! Et le sol... Le sol ne me plaît pas. On va retoucher ce sol. Ici même. Cette partie-là. Qu'on va venir vraiment griser. Pour le rendre beaucoup moins visible, en fait. Ah, je trouve que là il a beaucoup plus d'intérêt comme ça. Hop, attendez, j'ai mal gommé. Enfin gommé. Voilà, là il est beaucoup moins visible dans la photo et du coup c'est vraiment ça qui ressort. Ah, c'est mon aspect, hein, c'est mon avis à moi, évidemment. Mais je trouve que ça apporte vraiment un délire quoi, en fait, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. On va pendant ce temps rehausser quelques couleurs, le rose, violet magenta mérite, la partie un peu rosâtre ici, d'être rehaussée. Le jaune, j'ai envie de le tourner en quelque chose d'orangé. Ici, notamment. T'as l'air un peu fort, quand même. Voilà, on va créer des vraies différences de couleurs. Je suis content que tu ne lèves pas, car moi non plus, ça moi, sinon j'aurais changé ici. Alors, pour la route, en fait, j'ai utilisé ce petit outil qui est un pinceau, tout simplement. J'ai recouvert... Tout le goudron qui est là. D'ailleurs, on voit que tout n'est pas recouvert. On va remettre une petite couche ici. Pas trop. Attendez, pas trop. Ici, on va laisser... Forcément, ça m'enlève tout. Hop. Ici, comme un reflet de ça, en fait. Même si c'est pas du tout vrai, hein. Ça, c'est pas du tout le reflet d'ici, mais... Quoique, la route était... Ah, la route était peut-être mouillée à ce moment-là. Je sais pas. Je me rappelle plus. Il me donne pas la météo pour le coup. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit au logiciel de toute cette zone de bleuir parce qu'il était jaune, donc ça compense, de bleuir toute cette partie-là et de l'assombrir. Du coup, on s'est retrouvé avec un gris. On s'est retrouvé avec un gris qui rendait beaucoup plus les reflets du bleu ici. Ça avait un plus grand intérêt. Et qui était plus sombre, du coup, il perd beaucoup de valeur par rapport à toute cette partie-là. Là où avant il était bien bleuté. Ouais, je bafouille. Je bafouille, je suis trop impressionné. Parfait ça. Parfait. Yes. Il y a celle-là à côté. Ça, on en a pas besoin. Hop. Nickel. Bon, on voit que la diff est assez, assez frappante. Hein. On a vraiment créé notre ambiance, là. La diff est assez frappante.
la diff est assez frappante. Tu vois, ici, c'était très jaune. Le fait d'avoir bleui... ici, on voit beaucoup plus le bleu, qui était pas du tout apparent, en fait. Hein. Le rose non plus. Et du coup, ça crée un vrai gris. Un vrai goudron gris. Et plus sombre. Parce que du coup, il était limite plus clair que le sujet qu'on voulait là, alors que c'est pas ce qu'on voulait. Du coup, voilà la diff. La diff est très, très frappante. Et même au niveau de la lumière, là. On est pas mal. J'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de tenter de réutiliser les réglages ici. Yes, tout à fait. Pour les coller ici. La route ne sera pas prise en compte, je précise, on le refera. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Pourquoi tu... Est-ce que je les ai... Qu'ai-je fait ? Copier. Et viens donc me les coller. Bah oui. Ah oui, ça marche. Parce que c'est simple de gommer la cellulite, c'est easy. C'est easy. Très simple. Vraie histoire. Là, on repasse sur la route. Hop, et on va faire la même chose. Il va nous manquer une partie en haut, là. Là, on va laisser un peu le reflet. On va gommer ici. On va fortement assombrir, encore une fois. Un peu plus de contraste, moins de haute lumière, un peu plus d'ombre. Enfin, un peu plus d'ombre. Des ombres un peu plus fortes. Et augmenter la clarté. Et on revient sur le même esprit que celle d'avant. Voilà. On a nos deux ambiances qui sont créées. C'est trop beau, cette fusion d'images. Mais il n'y a pas de fusion, hein. Il n'y a pas de fusion, c'est deux images différentes. Après, on peut tenter de fusionner les deux maintenant. On va voir ce que ça donne. Je pense que le blanc va encore nous faire un... On va voir ce que ça va faire. Maintenant, si on les fusionne... Bon, il y a toujours ce problème qu'on a là-bas. Ouais, c'est la même chose que tout à l'heure, ça ne met pas les correctifs. On va tenter un truc. On va essayer de corriger la partie qui est ici. Donc on revient à ça, et là-haut on va essayer de fortement augmenter la luminosité. Attendez, on va faire notre gommage de route habituel. Hop, je suis allé beaucoup trop haut là. Pas grave, on va corriger après. Ah, quoi que c'est valide, ça marche. Hop, yes. Parfait. Luminosité qu'on va augmenter fortement là-bas. Hein. Parce que ça nous fait un aspect qui est pas très beau. À vrai dire. Je l'augmente beaucoup. Yes, mieux. On va finir les correctifs. Peut-être un chou, il y a trop de lumière, non? Du coup, attendez. Au final, c'était quand même mieux avec l'éblouissement. Hein. Ouais, c'est le problème. C'est un test hein, que je fais là, je vous dis. Parce que le HDR nous a foutu en l'air le DOS. Ça, c'est des trucs en général, je les corrige avec Photoshop. Hein. Pour tout vous dire. Ouais, on n'arrivera à rien de fou là-bas. Malheureusement, il nous reprend les plantes. C'est pas grave. Et la fusion de photos se fait même pas en plus. Je... Tant pis. Celle-là est bien plus sympa. C'est un peu trop, c'est bien. Ouais, non, mais oui bah, c'est le test. Ici, bah, ici, on va pouvoir retoucher les deux.
sans les lumières ce coup-ci. Donc on va traiter quelque chose de différent là. On va créer une autre ambiance. On va augmenter un peu ça. Yes. On pourrait. Ouais, parfait. On va arrosir la route en bas, vous allez voir. Pas beaucoup, mais un petit peu. Nickel. Le jaune là me pose problème, moi. Donner un aspect beaucoup plus cuivré comme ça, je trouve. J'ai du mal avec ce jaune vert. Pareil, le vert, on va lui faire tirer un peu plus vers le... Ah, pourquoi pas vers le bleu à la rigueur. Ouais, ça crée un... ça crée autre chose. Ça crée autre chose. On va baisser la saturation du jaune, du coup. Comme ça, ça va le faire un peu plus disparaître. Tout pareil pour la luminance. Pas trop du coup, voilà, on est pas mal. Ouh, cacher ce grain que je ne saurais voir, merci. Yes, parfait. On est pas mal. Je vais peut-être juste tester un recadrage de la sorte qui me paraît beaucoup plus sympathique. Le vert, ça te gêne. Effectivement. Effectivement, il y a un peu trop de vert. Regarde. On va vraiment faire un bleu. Moi, j'ai vraiment qu'il devienne bleu. Qu'il devienne très bleuté. Voilà. On part sur du bleu. Moi j'aime bien ce petit bleu. J'aime bien ce petit bleu sympa. Et au final il n'y a plus besoin de rosir la route. La route. Pff, mec est perdu. Hop. On va les coller ici. Yes. Pareil, on va cropper à gauche. Ça me plaît pas. Sur un bleu électrique, bah voilà. On le retrouve ici d'ailleurs. Ça met beaucoup plus en avant le rond-point du coup. Voilà. Il est beaucoup plus centré. C'est dommage que j'ai pas capturé le haut, mais bon. Pareil, hein, des grosses diffs entre les deux. On voit que c'est beaucoup plus clair. Et que c'est pas mal. Hop. Attendez voir. On va juste. Voilà. Ah, et peut-être. Ouais. Et la dernière. Qui est prise de chez moi. Je vais plutôt retravailler celle-là. Qui me plaît bien. Elle est plus structurée, je trouve. Alors, ici, on va rehausser un peu le ciel, lui donner un côté un peu plus rose. Voilà. En vrai, le ciel était beaucoup plus comme ça que sur la photo qu'on avait avant. L'exposition, on va pas la toucher, on va rehausser les ombres, pour faire ressortir un peu les bâtiments qui sont en bas. Hop. Faire sortir ces bâtiments là, c'est parfait. On va augmenter un poil la couleur, mais pas trop pour pas dénaturer la photo. Hein. De base, elle est comme ça, on va pas monter au-dessus de ça. Pas l'intérêt. L'orange, on va le rougir un tout petit peu. Yes, et le jaune, on va l'oranger un peu. Voilà.
T'as vraiment de la chance pour la vue. Ouais, la vue est pas dégueu. La vue est pas dégueu, je l'avoue. Hop. J'ai pas envie de dénaturer trop le ciel. Là, on va... De base, il était vraiment pas comme ça. Il était vraiment rose. Hein. Mais là, on retrouve ouais, l'aspect qu'il y avait. Putain, c'est cool. On a eu des ciels très très roses. Juste avant le début du printemps, là, c'était vraiment cool. Alors là, non, on est parti en aquarelle. Faire des corrections de grains au niveau de la couleur. Ouais, c'est mieux. Yes. Je pense que là, on a une photo qui est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et du coup... Et voilà. On les applique à celle-là aussi, même si je suis un peu moins fan de... Celle-là, ça va encore. C'est celle du milieu, moi, qui me plaît pas. Je vais la retirer. Tac, on se retrouve avec 30 photos qui sont, ma foi, pas dégueu. Hein, enfin, selon moi. Celle-là, on va peut-être juste faire un petit transformation. Ouais, je pense que ça pourra le faire. Regardez. Yes. On l'a peut-être fait un peu trop. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Beaucoup mieux. Et voilà. Fin des retouches. La diff est beaucoup plus marquante. J'aime beaucoup cette photo. Donc, je vous les remontre les unes après les autres. Voilà la finalité des photos. On va s'arrêter ici. Je referai des lives Photoshop, hein, ne vous inquiétez pas. Photoshop ou Lightroom, hein, les deux. Les deux sont évidemment à regarder. Hop. Celle-là, j'adore. Je vais poster toutes ces petites photos sur Instagram. Ceux qui me suivent pas, bah évidemment, mon nom est Canartichaud, écrit comme pour la chaîne. Là-bas, hein. Fort évidemment. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là. Et on se reverra là-bas. Vous verrez les photos qui seront croupées en carré, évidemment, parce que c'est Insta. Hein. Mais vous verrez tous ces petits clichés que j'ai pris en septembre et qu'il fallait enfin que je développe. Voilà, bravo, merci. Merci beaucoup. J'espère que ce petit live vous a plu. C'était court, c'était succinct, mais c'était plaisir. Je vous fais des gros bisous. Alors attendez, parce que OBS a complètement disparu. Yes! Parfait. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir laissé des pouces bleus. Mettez-le si c'est pas fait. On se retrouve demain pour un live un peu plus gaming, hein, comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'on va faire demain. Eh ben non, je suis bête. Demain, c'est blind test. Lundi pour du gaming. Demain, blind test. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain et portez-vous bien. On va couper ce jazz de qualité. Oh, c'est plaisir. C'est si plaisir ce petit jazz. Merci à toi, mais non, mais c'est vous le plaisir, c'est vous le plaisir. Et on se refera ça. Et si vous avez des questions, commentaires. Enfin, pas commentaires du live parce que je vais pas les voir, mais commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions sur des outils que vous avez vus au début du live ou si vous avez pris après machin, n'hésitez pas à les poser. Je vous fais donc des gros bisous. À demain. Et on va se laisser avec une musique que j'ai jamais entendue et qui sera peut-être un peu nulle. Voilà. Des bisous. Hein. Oula. Ou je pense qu'on va avoir du son électronique là. Oulala. Là là. Bon allez. À demain. Hein.
what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're